messieurs, chères dauphinoises, chers dauphinois, chers partenaires, chers amis. Je suis impressionné par la qualité de l'auditoire présent ce soir, donc mes premiers remerciements vont s'adresser à vous toutes et tous ici présents. Je remercie évidemment Madame Ramayad d'avoir accepté notre invitation afin de nous éclairer sur le rôle du Maroc dans le cadre des enjeux actuels de la coopération euro-méditerranéenne. Merci également à notre sponsor et partenaire, M. Youssef Ben Amour, en tant que directeur général de la société Earth, qui nous réserve une belle surprise ce samedi au sujet de laquelle je reviendrai un peu plus tard. Et je tiens également à remercier nos autres partenaires qui ont beaucoup contribué à la réussite de cet événement, à savoir les sociétés Saga et Vidéorama, ainsi que leurs équipes, représentées ce soir par M. Youssef Esferi et Moulay Hamil Berriti, dauphinois qui plus est pour les trois. Donc, bravo messieurs. La coordination du travail de toutes ces équipes a été opérée par les commissions conférences et communications de Dauphine à l'Uni Maroc. Merci donc à Madame Abla Benabla et son équipe, notamment Madame Nadège Luchetti, qui a beaucoup œuvré pour la réussite de cette conférence. Mademoiselle Zineb Ferdaous, Messieurs Qassem Bouanani, Ismail Fassiferi, Youssef Tazi, Youssef Lamour et Youssef Fassiferi. Mais ce qui fait la force avant tout de notre association, vous le savez déjà, c'est bien évidemment vous, les dauphinoises et les dauphinois, puisque comme on le dit souvent, notre association ne vit que par et pour ses membres. Dauphine à l'Uni Maroc regroupe un nombre important de membres actifs et nous faisons partie des associations d'anciens les plus actives au Maroc. Cette fierté, nous l'avons gagnée grâce à vous, donc merci, merci beaucoup les dauphinoises, merci les dauphinois. J'ai certainement oublié beaucoup de monde et je m'en excuse par avance, à commencer par tous les sympathisants de notre association qui nous font le plaisir de participer à beaucoup de nos rencontres. Il y a entre autres les présidents, vice-présidents, représentants des alumni d'autres grandes écoles que je remercie également pour leur présence ce soir. Et je ne saurais évidemment pas terminer ces messages de remerciement sans parler de l'engagement de l'ensemble des membres du bureau de Dauphine à l'Uni Maroc, qui se sera réuni comme en 2014, une dizaine de fois en 2015, pour vous proposer un programme le plus riche possible. À cet effet, permettez-moi de dresser un petit bilan du mandat 2014-2015 du bureau actuel de notre association. En 2014, nous avions pu vous proposer un nouveau site web, une communication digitale élargie aux réseaux sociaux, à différents supports de presse, off et online, des partenariats renforcés avec notre université, avec Dauphine à l'Uni France, avec Dauphine Tunisie, avec le Club France-Maroc, représenté par M. Ramzi Hammou ce soir présent, dont nous faisons dorénavant partie du board, et d'autres partenaires, la liste est longue, je ne pourrais pas tous les citer, malheureusement. Nous avons également opéré plusieurs opérations caritatives destinées à des étudiants disposant de ressources limitées. Nous avons organisé plusieurs pots dauphinois très appréciés des dauphinois et de leurs amis. Plusieurs mercredis dauphinois animés par des personnalités marocaines, pour certaines présentes ce soir, autour de thématiques socio-économiques d'actualité. Une course, une belle soirée de gala célébrant les 30 ans de notre association. Et enfin, l'édition de l'annuaire 2015 qui recense l'ensemble des membres de Dauphine à l'Uni Maroc. En 2015, on a continué sur la même lancée, plusieurs mercredis dauphinois, plusieurs pots. La commission annuaire a distribué, diffusé notre annuaire auprès des plus grandes entreprises marocaines. La commission culturelle a organisé un week-end à Tanger dans le cadre du festival Tanjaz qui incluait une visite du port Tangemed, une exposition de broderie marocaine, musulmane et juive, et plus récemment, l'exposition Une collection quatre gares à la Société Générale Maroc. La commission ludique a pour sa part donc organisé plusieurs pots, un ftour pendant le mois de Ramadan, et la commission relations institutionnelles a continué d'entretenir nos bonnes relations avec nos partenaires et a poursuivi le coaching d'une jeune étudiante marocaine à ressources limitées qui a intégré en seconde le lycée Lyautey l'année dernière en partenariat avec le club France-Maroc. Comme un pays d'espoir finalement, et d'ailleurs au regard de l'Union européenne, le Maroc bénéficie d'un statut avancé, qui est un statut particulier. Le roi du Maroc lui-même a entrepris depuis qu'il est arrivé, depuis son accession au trône, une série de réformes pour démocratiser la monarchie et garantir progressivement les droits des femmes. Le code de la famille en est l'exemple le plus éclairant, l'instance équité et réconciliation également, et la régionalisation pour décentraliser un petit peu les pouvoirs. C'est aussi un gage de démocratisation des institutions locales.
Dans ce contexte-là, je crois que nous avons intérêt, au niveau de l'Union européenne, à relever le pari marocain, le pari européen du Maroc. Le Maroc comme pays ouvert, qui a certes été impacté par les années de la crise, évidemment depuis 2008, mais qui en même temps a enregistré un taux de croissance annuel assez important de plus de 4% entre 2008 et 2014. L'économie marocaine a su résister à la crise en diversifiant son économie, en s'appuyant sur plusieurs secteurs également. Et on voit par exemple, évolution notable, que le secteur automobile est le premier secteur exportateur et non plus le phosphate ou le textile. Cela montre donc qu'il y a une dynamique, une évolution, mais ces défis appellent une stratégie efficace parce que le Maroc a aussi ses challenges à relever, notamment dans les zones rurales, la question de la pauvreté, de l'éducation et des inégalités. Et donc cela suppose évidemment des investissements qu'à la croissance s'ajoute le développement. Le contexte international n'est pas non plus à négliger. La crise économique, elle a frappé les partenaires européens, mais elle a aussi affecté la croissance économique du côté du sud de la Méditerranée. Je vous parlais du taux de croissance annuel de 4% il y a quelques années, mais on attendait un petit peu plus, 5%. L'augmentation du cours des matières premières est évidemment un impact sur la croissance. À la suite de l'effondrement des cours boursiers, le retrait de certains investissements arabes a aussi un impact. Et puis les difficultés économiques des partenaires. Je vous parlais de l'Espagne tout à l'heure, premier partenaire qui connaît une crise économique profonde depuis plusieurs années. Et ça ne peut pas être sans conséquence, évidemment, sur l'économie marocaine, qui, de fait, peut être amenée à être dans l'obligation de se réendetter en sollicitant notamment différents bailleurs. Donc, on voit bien que dans un contexte comme celui-ci, l'Union européenne a besoin du Maroc. A besoin du Maroc parce qu'il abrite beaucoup de touristes, de retraités. Il y a des demandeurs d'emploi espagnols aussi. Le taux de croissance avec la haute valeur technologique qui se développe dans l'aéronautique. Et on voit aussi que par rapport à d'autres pays comme la Tunisie, qui connaît la récession, alors qu'elle avait été le premier pays à signer un accord d'association avec l'Union européenne, cela montre en contraste à quel point les opportunités marocaines sont importantes. Alors, on pourra évoquer un peu plus tard la question des migrants, qui est l'autre grand défi à la fois pour le Maroc et pour l'Union européenne, mais ces sujets sont tellement traités et retraités par la presse que je ne voudrais pas qu'on ne s'attarde que sur ce point, mais on pourra éventuellement y revenir. Alors aujourd'hui, le Maroc se trouve à la croisée des chemins et je pense que le pays gagnerait au fond à se singulariser au sein de ses réseaux multilatéraux. Par exemple, l'Union pour la Méditerranée, c'est 44 pays, ça fait beaucoup. Les relations bilatérales, à mon avis, gagneraient à être creusées avec certains pays européens, notamment ceux qui donnent le sentiment de plus se préoccuper de ce qui se passe à l'est que sur la rive sud de la Méditerranée. Du côté européen, je crois également que l'Union pour la Méditerranée, qui était une bonne initiative, mais qui a été entravée par les conflits géopolitiques, par la crise financière, la crise des migrants, gagnerait également à développer le dialogue 5+5 qui a été encouragé ces dernières années, notamment sur les questions environnementales, éducatives et culturelles, de sorte que, précisément, nous puissions embrasser l'ensemble de la problématique développement. Parce qu'autrement, si l'Union européenne ne parvient pas à être à la hauteur de l'attente des Marocains et plus généralement des pays du Maghreb, le Maroc, plus que tout autre pays du Maghreb, a d'autres atouts dans la manche. On le voit bien depuis quelques années, c'est un pays qui arrive à mener une véritable offensive anglophone ou lusophone en Afrique. L'Afrique de l'Ouest n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Est, rien à voir avec l'Afrique du Sud ou l'Afrique australe. Les cultures, les traditions, les droits ne sont absolument pas les mêmes. Et donc, je pense que les Français pourraient tirer utilement profit de l'expérience des Marocains dans sa relation avec le continent africain. Je pense que la France doit aussi réviser le regard qu'il porte sur l'Afrique,
Souvent, on entend dire, les chefs d'entreprise français, on entend dire, mais en Afrique, c'est trop risqué. Malgré ce risque, les nouveaux géants, comme l'Inde, la Chine, le Brésil, ont surmonté cette appréhension, ont dominé ce risque et ont réussi à quand même produire des investissements et à le faire de manière rentable. Donc il y a là, je pense, matière à réfléchir et privilégier l'une de ces trois voies et idéalement les trois en même temps. Merci, bonsoir. Jalis Rilly, je vous félicite pour la qualité de vos propos. J'aimerais revenir sur un point dont vous avez parlé tout à l'heure concernant le Sahara. Vous avez beaucoup parlé du Maroc et de ses relations avec les pays subsahariens. Il est vrai qu'aujourd'hui le Sahara est une épine dans la relation de l'Union maghrébine. Ne pensez-vous pas, et je pose la question à la consultante que vous êtes aujourd'hui et non pas à la dame politique, ne pensez-vous pas que la France aurait un rôle à jouer, étant donné ses relations qu'elle entretient avec le Maroc d'une part et avec l'Algérie d'autre part, pour aider à la résolution rapide de ce conflit artificiel? Et la deuxième question accessoire par rapport à ça, est-ce que un Maghreb fort n'aurait pas d'intérêt aujourd'hui pour la France et pour l'Union européenne de manière générale? Oui, bien sûr, parce que nous sommes sur la zone la moins intégrée du monde, paradoxalement. Alors que la proximité est multiforme. L'Union pour la Méditerranée, c'est 44 pays. C'est un espace trop large pour arriver à entretenir des relations privilégiées. C'est pour ça que, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai encouragé aussi le développement des relations bilatérales qu'il ne faut pas négliger malgré la mondialisation. Et donc, entre la mondialisation et les relations bilatérales, évidemment, le dispositif intermédiaire le plus intéressant et le plus efficace, c'est un dispositif intégré avec une union pour le Maghreb, en quelque sorte. Mais effectivement, on a cette épine du Sahara occidental. Alors, la France joue son rôle en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a coparrainé avec d'autres pays la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Mais le problème, c'est que y a une partie qui ne veut pas en entendre parler de cette question. Donc, il faut continuer ce travail, sans parler du fait que le Front Polisario, enfin tout ça, il demande qu'il y ait un volet de contrôle des droits de l'homme. Bon, et pour ne pas envenimer la situation, eh bien, on ne le fait pas. Donc, vous voyez, on n'a pas le sentiment qu'il y ait aujourd'hui une décélération. Enfin, on n'est pas à l'aube d'une résolution de ce conflit. Et je le regrette profondément parce qu'il y a un tel potentiel de relationnel entre l'Algérie et le Maroc que ce blocage est dommage, c'est dommage. En même temps, bon, voilà, c'est un héritage historique avec un attachement de part et d'autre à ce territoire, une légitimité de chacun à vouloir en revendiquer l'administration. Et donc, la seule solution, elle est diplomatique. Il n'y en a pas d'autre. Donc, peut-être que les différentes autorités politiques comprendront un jour, sous l'égide de la mission des Nations Unies et de leurs parrains, que la résolution de la question du Sahara occidental ouvrira un champ de possibilités, notamment d'échanges économiques, culturels, beaucoup plus fortes qu'on ne l'a actuellement. Il faut l'espérer. Autrement, les seules alternatives, ce sont ces initiatives qui viennent de l'Union européenne. Le dialogue 5+5, le processus de Barcelone, la politique de voisinage, vous voyez, tout ça, il y en a trop. Et il n'y a pas de synergie forcément, ni de suivi commun. En plus, ces programmes se chevauchent les uns les autres. Et précisément, une voie plus cohérente.